Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Kiko. La nouvelle collection de la Saint-Valentin est sortie le 7 janvier. Donc je me suis dit, il faut que j'aille voir cette collection, il faut que je leur en parle. Parce que sincèrement, elle est très jolie. Mais elle me rappelle une ancienne collection. Donc c'est parti, je vous montre déjà ce que j'ai acheté. J'achète pas à chaque fois, mais là je vous avoue que j'ai craqué sur des petits trucs qui avait l'air fort sympatoche. Donc je vous dis sur quoi j'ai craqué et après on parle de la collection. Comme d'habitude, je vous mettrai sur le côté là où là l'écran du site pour vous montrer un petit peu les produits qui sont proposés et vous donner mon avis dessus parce que j'ai tout swatché. Voilà, donc c'est parti. La collection de la Saint-Valentin s'appelle Sweet Affairs. Voilà, donc Sweet Affair. Elle est autour du chocolat et moi j'adore le chocolat, je suis très gourmande. Vous voyez là, avec mes gros trucs tout dodus là. Oui, je suis très gourmande, j'adore le chocolat, c'est vraiment un de mes péchés mignons le chocolat. Et la collection m'a vraiment inspirée et franchement je suis trop contente de pouvoir vous parler de cette collection et de vous dire ce que j'ai acheté. Donc... alors, j'ai tout d'abord mis dans mon panier. Alors oui, à mon grand étonnement, c'est le premier produit que j'ai mis dans mon panier. Donc voilà, déjà le packaging est très joli. Je vous montre déjà les packaging parce que ça va passer à la poubelle. Donc voilà, c'est trop mignon avec un petit nœud comme ça, tout rouge. Donc voilà. Donc vous avez bien lu, oui, j'ai pris un Cocoa Lip Scrub. Oui, vous ne rêvez pas. J'ai pris un gommage pour les lèvres. Pourquoi? Parce que je vous avoue que ceux de chez Jeffree Star me donnaient envie depuis très longtemps. Et je gomme jamais mes lèvres et c'est vrai que je me retrouve souvent avec des petites peaux. Et je vous avoue que ce petit pot là m'a vraiment donné envie. Et là il y a quand même pas mal, hein. Il y a 10 ml de gommage pour les lèvres. Et franchement... ça me donnait trop envie, donc c'est bien, voilà, il y a une petite opercule, voilà, de protection, hein, pour que le produit reste, enfin, se conserve. Ça sent le chocolat, alors c'est très léger, mais ça sent le chocolat, et donc je suis trop contente, voilà. Je vais pouvoir me gommer les lèvres, et en fait, ça m'a donné envie de vraiment m'inciter à me gommer les lèvres. Donc ça, ça va aller dans ma salle de bain, hop, direct. Comme ça, je le ferai plus facilement, hein, je vous dis sincèrement. Ensuite, deuxième produit que j'ai mis dans mon panier. Donc, même packaging, un peu plus bas. J'ai pris un Delishful Eyeshadow. Donc, il fait 6 grammes. Et donc, il y a 3 teintes. J'ai pris la teinte Choco Mousse. J'ai hésité avec la teinte Silver. Elle était très pailletée. Mais celle-ci, je vous avoue que, je sais pas, le chocolat, c'était la teinte qui m'a le plus... inspiré. Donc on est sur le même packaging que le scrub. Donc vous avez une petite mousse comme ça de protection et ensuite vous avez donc le petit fard. Voilà. Donc j'ai pris donc cette teinte marron et c'est très joli. En fait la teinte, bon je vous dirai quand je ferai la description. Voilà, ça m'a bien inspiré. La teinte j'ai trouvé très jolie et je trouvais que ça pouvait être sympa en base. Est-ce que ça sent quelque chose? Parce que j'ai senti des choses, mais pas tout. Non, ça sent rien. Bon, la petite mousse, de toute façon, je vais rien en faire. Elle ira à la poubelle. Non, franchement, la teinte est trop belle. Un peu marronnée, ouais. Non, des toutes petites paillettes. J'ai trouvé trop mignonne. Et le dernier produit, je vous avoue que là, ben, c'est mon cœur qui a parlé. Pas du tout ma raison. Mon cœur, que mon cœur a parlé. C'est trop joli. Regardez-moi ce packaging. Peut-être que celui-ci, je vais le garder. Parce que c'est marron, chocolaté. On dirait une tablette de chocolat ou une boîte de chocolat pour Noël. Voilà, j'ai pris le duo Cocoa Highlighter. Ouais. Regardez-moi le packaging. Il est trop mignon. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. J'espère que ça n'a pas éclaté dedans. Non. Oh, c'est trop beau. Voilà. Oui. Non mais oui, je sais. J'ai craqué là-dessus. J'ai trouvé trop beau.
je vous swatch les deux parce que franchement c'est sublime. Ah non mais les deux teintes sont trop belles. Ah, elles sont là toutes les deux. Voilà. Donc même lui, même foncé, hein, je pense qu'on peut mélanger les deux. Ouais. Est-ce raisonnable? Non. Parce que franchement, c'est pas donné, mais c'est trop beau. Donc voilà, j'ai craqué et la palette est trop belle. Elle est un peu en... Ça fait un peu velouté sous les doigts. Et très joli le packaging, franchement. Ouais, très joli. Voilà, et je vais, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir les produits qui me font penser à une ancienne collection. Et après, on va, en même temps, je vous dirai, au moment venu, je vous montrerai les produits que j'ai en ma possession qui me rappellent cette, cette fameuse collection. Voilà. Donc voilà ce que j'ai pris, je vous donnerai les prix voilà, quand je vous parlerai sur le site. Pour info, si vous avez un compte Kiko, des 20 euros d'achat, vous avez un bon de 10 euros, alors en magasin uniquement, vous avez un bon de 10 euros qui sort, qui est valable du 1er au 28 février, voilà, pour donc, faire vos achats. Donc comment vous dire que moi j'ai repéré 2-3 petits trucs aussi qui me plaisaient bien. Et que je pense que j'utiliserai ces 10 euros à ce moment-là pour me faire plaisir sur, sur le produit en particulier là, ouais. Donc je vous dirai, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les produits dont je voulais vous parler et après on va passer à la collection. Elle est courte, donc la vidéo sera courte. Voilà. Allez, c'est parti. Donc voilà la collection Kiko Sweet Affairs. Donc collection produits de beauté vegan inspiré du chocolat, oui. Regardez-moi ça comme c'est joli. Non mais franchement, hein, j'ai pas pu résister, c'est trop beau. Alors on va commencer par le premier produit. On commence par le mascara et eyeliner, donc deux en un. Donc un côté mascara effet volume et un côté eyeliner noir. Alors j'ai pas pris... parce qu'il y a l'eyeliner de l'autre côté, parce que je ne maîtrise pas et le seul eyeliner que j'utilisais c'était le KVD et maintenant j'utilise le NYX, le Epic Wear, et j'utilise pas d'autres eyeliner parce que c'est extrêmement rare quand j'en mets, parce que je mets trop longtemps à faire mon eyeliner, donc voilà, c'est dommage parce que le mascara avait l'air d'être bien. Donc voilà, c'est vrai que là le packaging je le trouve très classe, très sobre, mais voilà, je me suis abstenue. Le prix est correct, donc ils disent que c'est deux en un, donc mascara et eyeliner. Donc l'eyeliner c'est une espèce de pointe en mousse pas très longue, voilà, au cas où si vous posiez la question. Donc mascara formule vegan, élastique et fluide, enrichi en beurre de cacao et extrait de cacao. Brosse en fibre qui permet de distribuer le produit avec toute la longueur, sans paquet, gna gna gna. Ça applique même sur les cils les plus courts. Voilà. Eyeliner, donc formule vegan, 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Pointe en nylon, garantie un tracé précis et homogène ou un look graphique sans bavure. Donc c'est voilà, c'est cette fameuse pointe que je vous disais, elle n'est pas très longue. Et ultra pigmentée, donc oui. Ultra noir pigmenté qui adhère parfaitement à la paupière, facile à utiliser grâce à son applicateur doux et fin. Donc non, franchement là on voit bien, moi je trouvais qu'il était plus court, mais bon voilà, bref. Donc voilà pour le voilà pour le double mascara et eyeliner. Ensuite il y avait des baumes hydratants, donc voilà, il y a deux teintes, il y a la teinte Cocoa Cuddle, donc c'est très transparent. Voilà, vous attendez pas une pigmentation exceptionnelle, on est vraiment sur des baumes à lèvres. Donc il y avait cette teinte qui était plutôt jolie, hein. Et il y avait la Mauve on Lips. J'ai hésité à prendre celle-ci et puis je me suis dit, des baumes, non, aucun intérêt. Donc voilà, après le prix, 8 euros, c'est pas cher, hein, mais bon. Non. Donc baume à lèvres hydratant, donne une coloration légère et qui les rend ultra douces. Enrichi en beurre de karité et de cacao, formule vegan, voilà, hydrate jusqu'à 8 heures, aromatisé au chocolat, j'ai pas senti, bon pas grave, peut être appliqué plusieurs fois par jour, ouais, mais vous voyez, c'est pas, là on voit bien les deux teintes, c'est pas très pigmenté, donc non,
Je me suis abstenue. Ensuite, on a le lip scrub. Donc là, c'est ce que je vous ai montré. Hein. Donc 6,99€. C'est pas donné. Mais je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de quantité. Ça avait l'air d'être bien. Donc voilà. Donc gommage lèvres exfoliant. Exfolie les lèvres en douceur, les rend lisses et douces. Formule vegan enrichie en cristaux de sucre et en beurre de cacao. Doux parfum de chocolat. Oui. Pratique grâce à son format en pot. Voilà, aucun ingrédient d'origine animale. Et voilà, je trouvais que le scrub avait l'air d'être intéressant. Ça change un petit peu, j'ai pas ce genre de produit, donc voilà, c'était l'occasion. Ensuite, il y avait un masque pour le visage, revitalisant. Le pot est assez gros. Alors moi, j'ai essayé de sentir, mais je voulais mettre du gel hydroalcoolique. Donc j'avais l'impression que ça sentait rien, donc on va voir. 14,99€, c'est pas donné quand même. Masque enlumineur pour le visage. Pour offrir un éclat radieux d'un simple geste, voilà, digne d'un spa. Formule vegan, enrichie en huile d'argan et beurre de cacao. Super onctueux, délicieusement parfumé au chocolat. Bon bah moi j'ai pas senti l'odeur. Hein. Je pense que c'est aussi léger que le gommage pour les lèvres. Donc ça sera pas désagréable si ça peut déranger les gens. Mousse irrésistible, voilà, facile à appliquer. Voilà, il ne glisse pas et vous permettra donc de poursuivre vos activités quotidiennes pendant le temps de pause. Ah oui, d'accord. Ouais, en même temps, c'est un masque pour le visage. Bon, bref. Voilà, franchement, ça avait l'air d'être bien. Je vous avoue, ça avait l'air d'être bien. Mais voilà, je trouvais que c'était quand même pas donné. Hein. Mais on a quand même 50 ml. Et c'est fabriqué en Italie, ça c'est bien. Ensuite, on a les fards à paupières, donc comme je vous ai montré, en petit pot. Donc voilà, j'ai failli prendre le Silvery Vibes, celui-ci là, la teinte 1, trop belle. Franchement, trop jolie. Mais bon, je me suis dit non, parce que 10 balles hein, quand même. Donc après, vous avez une teinte qui s'appelle Charmer Rose, et après donc vous avez la Choco Mousse. Mais voilà, Choco Mousse, ça m'inspirait un peu plus. Ombre à paupières crème au fini métallisé, illuminez le regard avec des teintes magnifiques à la couleur pure et brillante. Formule vegan, texture fondante, crémeuse, sensorielle qui adhère parfaitement à la paupière. S'estompe très facilement, résultat modulable à intense, délicat à intense. Application possible au doigt qui est simple et agréable grâce au format pratique de peau à la texture glissante de l'ombre. Oui. Donc, ouais, donc en fait il n'y a pas d'odeur, donc en effet, mais non franchement les teintes sont trop belles. Je vous avoue que l'autre teinte, la silver, elle me plaisait bien, mais non, je me suis abstenue aussi, et fabriquée en Italie. Ensuite ça je vous le montre comme ça, mais c'est un double pinceau, un côté pinceau avec des poils, et l'autre côté pinceau pour appliquer le masque. Donc voilà, je trouve que le pinceau est cher, 14,99€, mais... Après, c'est vrai qu'il y a un embout silicone de l'autre côté, ça peut être pratique, mais voilà, c'est tout. Allez, on passe au suivant. Donc ensuite, on a fard cuit avec deux finis, mat et brillant. Ce sont des blushs, des duo blushs. C'est exactement le même packaging que l'highlighter. Voilà, donc on a deux teintes, la Ruby Cocoa ou la teinte Sweet Biscuit. Voilà. Alors, un côté mat, un côté brillant, je ne suis pas du tout d'accord. Déjà, ça coûte 16,99€ pour info. Je ne suis pas du tout d'accord pour cette teinte-ci parce que franchement, les deux teintes sont lumineuses. Voilà. Enfin, moi en tout cas, j'ai trouvé que le côté de gauche était quand même assez lumineux. Et le côté de droit, on dirait vraiment un highlighter rose hyper intense. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas pris ce blush. Ensuite... La teinte Sweet Cocoa, non, Sweet Biscuit, Sweet Biscuit. Alors oui, le côté gauche est mat et le côté droit est lumineux. Mais alors, le côté gauche est extrêmement clair, le côté droit est très lumineux. Alors je pense que c'est à mélanger, mais moi j'ai trouvé que c'était pas ce que je recherchais, donc je me suis abstenue. Et ça, c'est sûr, je ne prendrai pas ces produits-là. Et 16,99€. Et pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que moi, j'ai une ancienne collection qui s'appelle Cocoa Shock.
Et cette collection, alors attendez, je vais mettre en stand-by. Donc cette collection, attendez, je m'en mets au milieu vite fait. Cette collection, voilà, c'était la Cocoa Shock. Donc c'est une ancienne collection hein, qui était en édition limitée. Et moi, c'est vrai que j'avais acheté deux teintes de blush. Donc là, on est vraiment sur un packaging vraiment chocolat. Mais vous voyez, c'est exactement la même chose avec les blushs comme ça. Cuit, on va dire. Donc moi j'avais pris la teinte Sweet Coral and Apricot et là on est sur des blushs qui sont pas aussi lumineux, donc c'est pour ça que ceux-là je les ai toujours hein, parce que je les aime beaucoup. Et j'avais pris une deuxième teinte, il y avait trois teintes en fait, mais voilà, j'avais pris, c'était les deux teintes que j'avais pris. Ça c'est la Silky Rose and Mauve et ça c'est pareil, voilà, j'aime beaucoup, voilà, ça c'est vraiment des blushs que j'aime beaucoup. Les deux teintes sont elles sont pas mates, elles sont satinées, mais voilà. Et ça sent toujours le chocolat, c'est un truc de fou. Même après toutes ces années, ça sent toujours le chocolat. Donc voilà, c'est ça dont je voulais vous parler. Et c'est pour ça que j'ai pas pris de blush dans cette collection, parce que c'était beaucoup trop lumineux à mon goût. Hein. Après, ça c'est mes goûts personnels. Mais comme j'ai déjà cela, je voyais pas l'intérêt de me racheter des blushs dans ce packaging-là. Mais voilà, donc ça c'était les anciens packaging, ça c'est les nouveaux packaging. Les nouveaux j'adore, je les trouve super jolis. On est, voilà, ça peut être très joli. En plus c'est pour la Saint-Valentin, donc on est sur un packaging quand même pour, voilà, un cadeau, comme si tu ouvrais un petit écrin, c'est très beau, hein. Franchement, enfin voilà. Donc voilà, ça c'était la petite précision que je voulais vous donner. Et on va continuer. Voilà, donc ça c'était la petite précision. Donc 16,99€ quand même, c'est vraiment pas donné. Mais après, voilà. Ils disent que c'est fini, Far Cry 2 fini. Raviver le teint avec un effet bonne mine radieux. Formule vegan. Se marie harmonieusement infini mat et infini satiné pour un résultat sophistiqué et lumineux. Alors moi je suis pas du tout d'accord pour le côté mat du rose, mais. Texture cuite sensorielle au fondant exceptionnel et parfumé de délicieuses notes de chocolat. Facile à estomper pour un résultat modulable, de léger à intense, miroir intégré. Et idéal pour éveiller votre teint lors de vos déplacements. Voilà, non mais c'est joli hein. Mais moi je suis pas d'accord sur le côté côté mat du rose. Je trouvais que c'était très lumineux. Un peu trop lumineux pour moi. Donc voilà. Donc c'est pour ça, après c'est dommage, mais c'est comme ça, chacun ses goûts. Ensuite on a donc l'highlighter que je vous ai montré, donc on a exactement le même packaging. Franchement c'est trop beau, moi je suis bien contente d'avoir pris ça. On peut, même pour les yeux, donc ça c'est bien, parce que au moins si j'ai envie de mettre sur les yeux, c'est possible. Effet nacré enchanteur, formule vegan, une compacte et un mélange au fini métallisé, qui se fondent à la perfection une fois le produit appliqué sur le visage, lui offrant un effet lumière multidimensionnel. Texture cuite sensorielle au fondant exceptionnel est enrichie de pelles réfléchissantes et parfumée de délicieuses notes de chocolat, modulable en intensité pour un résultat allant de léger à intense, miroir pratique, idéal pour les retouches, même lors de vos déplacements. Ils aiment bien parler de déplacements. Donc voilà, non franchement, moi je kiffe. Voilà, ce petit duo, je suis contente de l'avoir prise. De l'avoir pris, pardon. Ensuite, il y avait également des crayons pour les yeux, donc des duos. Un côté eyeliner, un côté crayon. Alors ça non plus, j'ai pas pris parce que on est très clairement sur des produits que je n'utiliserai jamais. Vu que moi l'eyeliner, ce n'est pas du tout mon truc. Et les crayons, donc l'eyeliner c'est toujours la teinte noire. Et le crayon était décliné dans trois teintes. Donc marron, noir et vert. Voilà. Donc l'eyeliner est très fin, très noir. Donc voilà, vous voyez, trois teintes. Et bon, personnellement, ça c'est pareil. J'utiliserai pas. Donc bon, j'ai pas pris, c'est pas grave. Donc, donc on a un duo eyeliner pour usage externe. Donc que en trait de liner ou en ras de cils inférieur, mais pas en muqueuse. Voilà, crayon automatique pour usage sur le bord interne et externe de l'œil. Ah si, on peut mettre en muqueuse, bah alors. Ah mais l'eyeliner, ah, d'accord, ah, je suis fatiguée. Pour définir le regard,
Formule vegan, ultra, alors pinceau ultra fin, oui. Très précis, texture noire, ultra pigmentée, je suis d'accord. Les crayons étaient vraiment intenses, donc oui, par contre ils sont mats, voilà. Et puis non, ils avaient l'air d'être bien, mais l'eyeliner, moi, c'est vraiment mon problème. Donc voilà, ça non plus, j'ai pas pris. Ensuite, on a une belle surprise, je trouve, déjà côté packaging et côté voilà, aspect visuel, on va dire. Donc on a une palette de 8 teintes avec des fards mat et métallisés qui coûte 14,99€. Donc déjà, la palette n'est pas très chère du tout. Je trouvais que c'était correct en prix. Je pensais que ça serait plus cher que le blush et l'enlumineur. En fait, pas du tout, c'est moins cher de 2€. Et sincèrement, c'était pas mal. Pas mal du tout. J'ai swatché toutes les teintes. Les fards mat sont très doux, très soyeux sous les doigts. Alors, ils sont pas ultra pigmentés, mais je pense que ce sont des fards qui sont faciles à utiliser. Les fards métallisés sont bien métallisés, assez lumineux. Donc ça aussi, je pense que ça peut être... une belle palette, je vous avoue que j'ai hésité et je me suis dit non, des fards comme ça, neutre, arrête tes conneries Audrey. Donc j'ai pas pris, mais j'étais tentée. Donc voilà, 8 fards à paupières mat et métallisés, formule vegan, texture soyeuse, je suis complètement d'accord, et pimentée, facile à estomper, particules réfléchissantes des ombres à paupières métallisées qui créent un effet lumière splendide. Mélange irrésistible de teintes de nude intense inspiré du monde de chocolat pour un maquillage des yeux versatile adapté à chaque occasion. Miroir intégré, franchement, la palette est très belle. Très belle. Donc voilà, ça donnait envie, mais non, je me suis abstenue aussi. Ah, peut-être qu'avec le bon... peut-être qu'avec le bon 10€, je pourrais me prendre ça. Mais il y avait ça aussi. Il y avait... une autre toilette qui sentait trop bon. J'ai adoré l'odeur. C'était une odeur vraiment chaude, orientale, vanillée, tout ce que j'aime. Et c'est la Melting in Love Scent. Je sais pas combien elle mêle, elle faisait. Je crois que c'est un 30 ml. Ouais. Doux, enveloppant, romantique. Ah non, mais franchement, moi j'ai adoré l'odeur. Chaude et gourmande, souffre à une onctueuse note de mousse de chocolat fondante. Ah ouais? Ah oui, de la vanille, je me disais bien quand même. S'épanouissent de notes de vanille crémeuse et irrésistible. La gousse de vanille et l'ambre. Ah, il y a de l'ambre aussi, ça. Et l'ambre, ça permet de faire bien tenir le parfum. Apporte de la rondeur, tandis que le musc ajoute de la douceur à l'accord. Format compact, donc je crois que c'est un 30 ml. Ouais, 30 ml. Franchement, moi, ce petit parfum, j'ai bien aimé. Je vous dis sincèrement, j'aurais peut-être dû garder le petit papier, enfin, la petite touche où j'ai pichité dessus. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Et le parfum, il est... le packaging est très soft, voilà, très sobre. Et peut-être qu'avec mon bon de 10€, peut-être que c'était... Voilà, c'est ça que je voulais me prendre. Parce que 12,99€, c'est vraiment pas cher. Et l'odeur, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, peut-être, si on reste, peut-être que je me prendrai ça. Ensuite, on avait des kits avec mascara et rouge à lèvres liquide. Et rouge à lèvres liquide, je vous en parlerai après. Donc il y a des kits qui existent, voilà, des duos, si vous voulez, voilà. Si, pour celles et ceux qui veulent faire des cadeaux, voilà, vous avez ça. Donc ça coûte 14,99€, c'est vraiment, vraiment correct. Et donc justement, on va y venir à ces rouges à lèvres liquides. Donc ce sont des rouges à lèvres liquides avec une tenue extrêmement forte. Avec une très bonne tenue en fait, finalement. Donc il y a plusieurs teintes, il y a 6 teintes. Donc en fait, c'est des doubles produits. Un côté un peu mat et un côté un peu glossy. Mais par contre, je sais pas comment ça peut bien tenir le fait qu'il y ait un côté glossy. C'est ça en fait qui m'a un peu intriguée, mais bon. Les teintes sont super belles, hein, voilà. Hein. Moi franchement, je les ai trouvées super jolies. On a un peu de tout, voilà, des couleurs automnales. Le prix est correct, 10,99€. On va voir la description. Rouge à lèvres liquide 2 en 1.
habillez vos lèvres d'irrésistibles teintes veloutées ou brillantes. Il se compose d'un rouge à lèvres de couleur mat sans transfert à la longue tenue jusqu'à 10 heures et d'un gloss au fini lumineux, tous deux déclinés dans les formules vegan. Donc voilà, il y a bien le côté mat, mais il y a le côté gloss. Donc c'est soit on les combine, soit on fait l'un, soit l'autre. Donc moi j'ai pas pris parce que moi les rouges à lèvres liquides mat, je mets pas ça, j'aime pas ça. Donc voilà, c'est vrai que le côté gloss il me plaisait bien, mais bon, je peux pas prendre un truc si l'autre côté ça me plaît pas. Donc texture des produits fluides légères, délicieux notes de chocolat. Ils peuvent être associés ou utilisés séparément. Ça habille les lèvres d'une couleur intense dès la première couche. Le gloss il peut être utilisé comme top coat pour utiliser une touche lumineuse à votre maquillage. Et voilà, applicateur floqué permet une application simple et rapide des textures. Donc voilà, franchement non mais c'est joli. Mais il y a un côté mat, donc ça ne me correspond pas malheureusement. Donc et le dernier produit, c'est un rouge à lèvres lip stylo, comme ils aiment bien les faire, au fini crémeux. Il n'y avait que 3 teintes, mais les teintes, ça ne me correspondait pas vraiment. Donc là, il y a Yumi Kisses, c'est un peu trop beige, beige à mon goût. Même si c'était très joli, le raisin est très joli, il y a un petit peu des petits dessins dessus. Après, il y a cette teinte-ci, Earthy Kiss, qui était jolie aussi, mais voilà. Donc non, je me suis abstenue. Et après, on a une teinte rouge. Donc ce sont des rouges à lèvres qui ne sont pas sans transfert. Donc voilà, le prix 9,99€ comme d'hab. Et voilà, couleur intense, effet lumière sophistiqué, formule vegan enrichie en beurre de cacao, parfumé au cacao torréfié, fond agréablement sur les lèvres, rendu couleur intense et homogène. Oui, c'était quand même assez intense. Texture crème émolliante, sensation de confort. L'écrin est très joli, ouais. Motif en relief. Décor de haute pâtisserie. Ah oui, d'accord. Oui, c'est très joli. Non mais franchement, c'était très joli. Et ça applique très facilement. Non mais franchement, les rouges à lèvres, je les ai trouvés très beaux. Mais bon, ça c'est pareil, je me suis abstenue. Donc voilà, pour cette jolie collection Sweet Affairs. Donc, la collection est vraiment jolie. Franchement, là pour une collection Saint-Valentin, ça fait moins enfantin. Ça fait une femme adulte. Enfin voilà. De mon âge par exemple, il n'y a aucun problème. Moi personnellement, je vous dis franchement, j'ai hâte de tester le gommage pour les lèvres parce que ça change un petit peu. J'ai jamais acheté ce genre de produit, donc je pense que j'ai bien fait. Après le fard à paupières, j'ai craqué sur la couleur, je trouvais que c'était trop beau. Et lui, non mais lui, voilà. J'aime trop les highlighters, j'en ai des milliards, mais je m'en fous, je suis trop fan. Voilà, le prix m'a un peu gênée, mais bon, voilà, c'est très joli. On a quand même pas mal de produits et moi cette teinte là elle m'a fait craquer complètement. Celle-ci elle est un peu plus banale on va dire, mais celle-ci elle m'a vraiment fait craquer et je pense que ça sur les yeux ça doit tuer aussi. Donc voilà, voilà la collection, très jolie, franchement les packaging, l'ambiance, le thème, voilà, ça m'a vraiment parlé. Et j'ai trouvé que c'était une belle collection intéressante pour la Saint-Valentin. Certes petite, mais intéressante. Donc voilà, je voulais vous en parler. Donc dites-moi si vous comptez craquer pour cette collection. Si oui, bah qu'est-ce que vous avez pris ou qu'est-ce que vous voulez prendre? Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.